Attention, les lions sont prêts à descendre dans l'arène du Allianz Stadium. Ce n'est pas pour faire référence à la musique qui est en train de passer ici. Duel de Lyon, vous l'avez donc compris, entre les EDC Lions et le Lausanne Hockey Club. Classement très serré en National League. Le LHC pointe à la 7ème position avec 60 points. C'est une unité de moins que la formation du Allianz Stadium puisque les EDC Lions comptent 61 points. Attention toutefois, puisque le Lausanne Hockey Club compte un voire deux matchs de plus que tous ses concurrents. La dynamique du moment sur les 5 derniers matchs depuis l'arrivée d'Arnaud Delcourteau, tout simplement du côté des Uriquois, la dynamique est de 3 victoires pour 2 défaites, 2 victoires consécutives. C'est la série qui est en cours du côté du pensionnaire du Allianz Stadium. La dernière, c'était face à Ambrì Piotta. L'avant-dernière, c'était ici même face au Lev Hautsoug dans un duel à plein de rebondissements puisque les Uriquois étaient longtemps menés au score et ont finalement gagné 4 à 3. Du côté du Lausanne Hockey Club, le dernier succès remonte à la dernière rencontre. C'était samedi soir du côté de la Corner Arena. Vendredi soir, pardon, pour être précis. Ça ne change pas grand-chose, effectivement. Mais enfin, c'était donc un succès acquis avec du suspense également. 2-1, les Lausannois étaient longtemps menés au score, avait finalement passé l'épaule en fin de match et ont ramené 3 points très précieux dans la lutte au play-off. Un homme va être particulièrement suivi en ce mardi soir, ce sera le nouvel attaquant étranger des Lions. Il s'agit de Mika Partanen qui est arrivé en provenance du Jokerit, Liga finlandaise, un prêt pour la formation de Ville Peltonen. Il est arrivé en provenance de ce club de Liga finlandaise, 24 points en 30 rencontres. On verra ce qu'il peut apporter. Il jouera en 3ème ligne ce soir aux côtés de Etienne Froidevaux et Ronald Kennins. 19h43, www.globasport.ch ou en DAP+, pour suivre en direct et en intégralité cette rencontre sur Globasport, la radio sport. On se réjouit vraiment de vivre cette rencontre en votre compagnie. On vous souhaite à toutes et à tous d'avance un excellent match. Et on vous dit donc à tout à l'heure.